Ich bin Mirko Bischofberger. Und zusammen haben wir das Projekt Crowdfunding Science Das Problem in der heutigen Forschungsförderung in der Schweiz ist, dass es sehr schwierig ist, kleine und kurzfristige Projekte zu finanzieren. Sagen wir bis zu 50.000 Franken. Wir glauben, dass hier Crowdfunding aushelfen kann. Crowdfunding erlaubt es auch kleinere, originellere und diversere Projekte im auch nicht-professionellen Bereich zu finanzieren. Und gleichzeitig ist der Vorteil auch, L'idée nous est venue du fait que nous avons observé que le crowdfunding pour les projets scientifiques prenait de plus en plus de popularité à l'étranger. Mais rien de tel n'était présent en Suisse. Grâce à la Geberdrif, nous avons pu lancer la première plateforme de crowdfunding pour les projets scientifiques dans notre pays, en partenariat avec We Make It. Le financement de la Geberdrif nous a permis d'amener deux choses, deux avantages au projet. La première, C'est que nous contribuons nous-mêmes à améliorer leurs campagne et à les aider dans la communication. Le deuxième, c'est que nous offrons un Matching Fund qui leur permet de doubler la somme qu'ils reçoivent du public grâce au financement de la Geberdruf. Dank der Geberdruf gibt es den Science Booster nun schon seit bereits zwei Jahren. Wir konnten 40 Projekte schon umsetzen, wovon 80 erfolgreich finanziert wurden. Dies geschah mittels 3000 Unterstützern und Unterstützerinnen, die zusammen über eine halbe Million Schweizer Franken. beigetragen haben. Für jeden Franken, der hier als Anreiz gesetzt wurde via die stiftung kamen somit 2,5-fach mehr Franken rein. Pour la suite, nous allons continuer avec notre science booster. Le canal est devenu populaire, les projets continuent à affluer et le but maintenant est de pouvoir les aider à trouver leur indépendance et à réussir leur campagne. Notre initiative est un succès. Nous avons chaque jour de nouveaux projets qui viennent nous contacter pour pouvoir participer au Science Booster. Ce sont des étudiants qui finissent leur maturité ou des professeurs d'université qui veulent faire des projets un peu inhabituels. Dans le futur, nous allons continuer à les aider à faire des campagnes et à toucher le public. Bis anhin hatten wir viele Projekte, von jungen Forschenden, welche Methoden gefunden haben, um die Bienen vor dem Aussterben zu retten, bis hin zu Gymnasiasten, welche en physique USA als MIT wollten, um dort ihre weiter zu Nous avons aussi une agence de défense des consommateurs qui veut développer une application mobile qui puisse dire aux clients le type de produits chimiques qui sont présents dans leurs cosmétiques, mais aussi un professeur de neurochirurgie qui veut développer une nouvelle technologie d'imagerie pour mieux pouvoir détecter les tumeurs pendant les opérations.